بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes frères et sœurs, la hijra, c'est un projet. Et tout projet doit être mené à bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man amila amalan falyutqinhu » que celui qui fait un acte, qu'il le fasse de manière convenable. C'est-à-dire que le musulman, lorsqu'il fait un acte, il se doit de le parfaire à plus forte raison si cet acte est une adoration. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler des métiers qui peuvent nous aider à faire la hijra de manière plus facile et qui peuvent également nous aider à rester dans notre hijra sur le long terme. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Lorsque je suis allé au Koweït en 2014, moi j'ai fait la hijra en 2010. Pendant 2 ans, j'ai vécu en Égypte, puis après cela au Yémen. C'était des pays où le diplôme il n'avait pas vraiment d'importance. Lorsque je suis allé au Koweït en 2014 et que j'ai commencé à chercher du travail et que j'avais pas de diplôme, je me suis vraiment rendu compte de l'importance d'avoir un diplôme. Et moi, ce que je pense, et ça n'engage que moi, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir un diplôme, un bon diplôme pour sa hijra, qu'une grosse somme d'argent. Car je connais beaucoup de gens qui ont fait la hijra avec des sommes d'argent et malheureusement, leurs sommes d'argent, elles se sont finies très vite et il y en a certains d'entre eux qui sont aujourd'hui en France. Quant à ceux qui avaient des bons diplômes, et j'insiste sur le terme « bon diplôme », quant à ceux qui avaient des bons diplômes, aujourd'hui, ils sont encore dans les pays où ils ont fait la hijra. Alors pourquoi le diplôme est-il si important de nos jours? Car l'argent, il faut savoir que l'argent, ça part très très vite. Il suffit par exemple de faire un mauvais investissement dans un pays et vous avez 40 ou 50 000 euros qui peuvent partir du jour au lendemain. Quant à votre diplôme, à part si vous faites une erreur qui va impliquer que votre diplôme soit enlevé, à part dans ce cas précis, le fait d'avoir un diplôme, c'est une grande sécurité pour la hijra. Donc, quels sont ces métiers qui vont vous faciliter une stabilité ou qui vont vous faciliter de décoller pour la hijra? Alors, pour moi, l'un des meilleurs métiers, c'est l'enseignement. Par exemple, celui qui peut faire un diplôme en tant que prof de français, prof d'anglais, prof de langue, prof d'espagnol, etc. Ça, ce sont des diplômes qui sont très, très demandés, que ce soit en Afrique ou dans les pays du Golfe. Celui qui a un diplôme de prof de français ou prof d'anglais et qui est bon dans son travail et en plus qui a de l'expérience, il pourra trouver un travail très, très vite. Et il y a également une formation qui s'appelle le DAFL, qui se fait, je crois, en 1 an. Pour ceux qui n'ont pas fait des études universitaires, c'est une formation qui forme la personne justement à pouvoir donner des cours de français aux personnes qui sont non francophones. Donc pour moi, l'un des meilleurs diplômes, c'est d'avoir un diplôme dans l'enseignement, surtout que les salaires dans l'enseignement sont très élevés. Par exemple, en Arabie Saoudite, au Qatar ou au Koweït, celui qui a un diplôme d'enseignant en langue française ou anglaise, il pourrait avoir peut-être un salaire d'environ 4000 euros par mois. Et ce salaire, il est sans compter les avantages du genre un billet d'avion tous les ans, l'école qui est payée pour vos enfants, etc. Donc moi, je conseille à tous les frères et sœurs qui sont par exemple en train de se préparer et chercher une voie, je leur conseille de faire des formations dans l'enseignement de la langue française ou la langue anglaise. Ensuite, après cela, il y a également tout ce qui est travail en ligne. Par exemple, webmaster, designer, développeur. Ça, ce sont des métiers déjà qui sont très recherchés. Et l'avantage de ces métiers, c'est que vous pouvez travailler à votre propre compte. Et l'une des meilleures des choses, c'est d'avoir un diplôme avec, bien entendu, si possible, une somme d'argent
qui va vous permettre, par exemple, soit de travailler pour un employeur, mais le mieux pour le musulman, s'il est possible, le musulman, le mieux pour lui, c'est qu'il travaille tout seul. S'il a la possibilité d'investir et il a un diplôme également et qu'il vend ses compétences, car il faut savoir qu'à l'étranger, les compétences françaises se vendent très très bien. Donc tout ce qui est développeur, designer, webmaster ou le fait de vendre également des marchandises en ligne, ça c'est des choses qui marchent très très bien, le fait de vendre sur Amazon, etc. Car maintenant tout est dématérialisé, vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde et vous vendez des formations, vous vendez vos marchandises et les marchandises sont par exemple stockées chez Amazon. Donc ça c'est des choses qui marchent très très bien. Alors ce qui peut également marcher très très bien, mes frères et sœurs, c'est le savoir-faire français. Par exemple, la personne qui est boulanger, celui qui sait faire de la bonne boulangerie française ou de la pâtisserie. Par exemple, celui qui sait faire de la bonne cuisine française. J'ai un ami à moi qui est un CAP justement en restauration. Et il a été pris en Arabie Saoudite une ou deux fois, je crois, et également au Qatar. Dans l'enseignement également, j'ai oublié par exemple apprendre la méthode Montessori. Celui qui peut faire des formations pour apprendre la méthode d'enseignement Montessori, ça c'est une qualité qui est très très recherchée, car c'est une méthode d'enseignement qui est très très en vogue dans les pays musulmans. Alors pour celui qui a de l'argent par exemple, investir dans la restauration. Moi c'est ce que j'avais fait au début. À l'époque j'avais un restaurant. La restauration, il faut savoir que ça marche dans tous les pays, surtout la restauration française. Si vous venez au Maroc ou dans un autre pays, que vous ouvrez un restaurant, la restauration française, du genre les sandwicheries, etc. Ça marche énormément. La dernière fois, je parlais avec un ami à moi, saoudien, qui habite au Maroc. Il voudrait ouvrir dans son pays les sandwicheries comme on a en France. Car il faut savoir que les sandwicheries comme on a en France, c'est vraiment bon. Et pas beaucoup de pays ont ce savoir-faire. Ensuite, il y a encore plein de choses qui peuvent marcher, comme les gens qui sont dans la médecine, la santé. Ça, c'est quelque chose que, voilà, partout, les gens ont besoin de personnel de santé. Également, surtout dans les pays du Golfe, ce qui peut très bien marcher, c'est s'il y a des personnes qui travaillent dans tout ce qui est l'architecture. L'architecture, c'est énormément demandé, car comme vous savez, les gens construisent de jour en jour, les gens construisent. Et comme je vous le dis depuis le début, la main-d'œuvre, les diplômes français sont très demandés. Et faites des diplômes, faites des formations, que ce soit à distance ou en présentiel, faites des diplômes, car les diplômes français sont très demandés et l'enseignement français est reconnu dans le monde entier. Et ça, c'est une voie qui va vous faciliter justement la route vers la hijra. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à tout un chacun. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.